Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes en direct sur nos médias et c'est une joie pour nous de vous savoir aussi nombreux à être présents, à être connectés, présents et présentes. Nous n'oublions pas nos sœurs, bien sûr. Que Dieu soit béni pour vos prières. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom Seigneur pour ta fidélité et cette Bible Seigneur que tu nous as Seigneur donnée. Merci pour ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière. Nous voulons te dire encore merci pour toutes les belles choses que tu nous donnes à expérimenter, à vivre. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui est debout pour la défense de la saine doctrine, de la parole pure, la parole véritable. Adonai, Dieu d'Israël, nous te prions, nous Yeshua, Dieu de gloire. Amen. Voilà. Bonsoir Ludo, bonsoir David. Bonsoir. Alors nous allons ce soir procéder à des questions et réponses concernant justement la BJC. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous croyons que vous avez beaucoup de choses à partager, des questions à poser. Donc vous pouvez nous appeler, bien sûr, pour nous les poser. Donc concernant justement la BJC. Donc voilà, que Dieu soit béni. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Pas trop fatigué? Ça va. Ça va, Ludo. Grâce au Seigneur, ça va. D'accord. Heureusement que le Seigneur surtout renouvelle les forces parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, effectivement. Non, franchement. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, est-ce que c'est possible avec une de caméra, Laurent, de montrer rapidement les cartons de la BJC qui nous sont, livrés. Je sais que c'est pas évident. Je vous provoque un peu à chaque fois et voilà. Donc juste pour que les frères et sœurs voient rapidement. Les cartons, parce que figurez-vous que il y a des images des vidéos qui, notamment le jour de la livraison, donc cette vidéo n'est pas encore en ligne. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en attente, qui ont hâte de revoir ces images. Alors nous voulons leur montrer tous ces cartons qui nous sont livrés. Et comme vous le savez, nous devrions être... elle devrait être livrée ce vendredi et à notre grande surprise mardi le livreur est venu avec ses avec 10 000 exemplaires, 10 300 précisément de la BJC. Voilà, donc que Dieu soit béni, merci Seigneur. Et voilà, donc vous êtes nombreux également à nous envoyer des mails. Et on va pouvoir lire un mail rapidement, hein, de mail. C'est une sœur, je crois, qui l'a envoyé. Voilà. Tout à fait. Et donc, voilà, les amis, mes frères et sœurs, les cartons de la BJC, les 10 300 exemplaires de la BJC. Voilà, nous sommes un peu fatigués. Que Dieu soit béni. Et magnifique, le Seigneur nous a vraiment agréablement surpris. Voilà, on va pouvoir lire sur les étiquettes. Voilà, la Bible de Jésus-Christ. Alors, il y en a 12 dans chaque carton. Voilà, que Dieu soit béni. Dieu travaille. Dieu nous fait du bien. Il nous encourage, en tout cas. Son nom est grand et nous le louons pour ses bienfaits, pour sa grandeur, son œuvre. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Merci Laurent, en tout cas. Alors, des questions, bien sûr. Alors, pour proposer donc, des questions par rapport à ce projet, je pense que la première des questions, c'était évidemment d'où est né ce projet, d'où est-il venu? D'accord. Et comment a-t-il pris naissance? D'accord. Donc, comme on l'a, je l'ai souvent dit, c'était en novembre 2013, pardon. En novembre 2013, en prière, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il attendait de moi. Et... dans mon sommeil, hein, il m'a donné une vision pendant que je dormais et dans laquelle il me disait à deux reprises, il faudrait faire la révision de la Bible. Donc il faudrait que tu me fasses la révision de la Bible. Et à mon réveil, effectivement,
J'étais étonné, dépassé. Je me suis senti, je me rappelle très bien, tellement petit, donc face à un tel travail. Donc j'en ai aussitôt parlé aux frères et sœurs qui m'ont fait part aussi des révélations, des visions qu'ils avaient reçues de la part du Seigneur. Je me rappelle quand même en 2009, si je me trompe, ou en 2008, un frère au Congo était venu me voir pour me dire qu'il avait à cœur de me partager une pensée. Il me disait qu'un jour, j'allais certainement être amené à faire une révision de la Bible avec des frères et sœurs, hein, bien sûr, qui sont avec nous. Donc quand il m'a parlé de cette vision, très honnêtement, j'avais pas cru. J'avais pas cru parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce frère? voilà, donc cette vision, justement, vient du Seigneur. Donc c'était l'ordre, hein, du Seigneur. Et puis, comme on veut lui être soumis, donc je me suis aussitôt, bien sûr, j'ai obéi. J'en ai parlé aux frères et sœurs et qui, bien sûr, se sont sentis aussi emballés. Et puis voilà comment le travail est né, cette vision est née. Et voilà. D'accord. Donc tu parles de révision de la Bible. Alors c'est important en fait de. Enfin, si tu peux bien nous expliquer qu'est-ce que la révision. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, on entend plusieurs choses, plusieurs définitions de ce mot révision. On entend d'un côté, mais il va réécrire la Bible, de l'autre côté, mais pourquoi il faut, voilà. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous préciser qu'est-ce que la révision d'une Bible? D'accord. Réviser, hein, c'est revoir. Donc je pense que quand si on prend l'exemple terre à terre, hein, donc nos véhicules, nos voitures, après les avoir utilisés pendant quelques temps, il faut les amener au garage. Hein, chez le concessionnaire pour que ce véhicule soit tout simplement révisé. Donc on revoit s'il y a de l'huile, tout ça, si les pneus sont en bon état, donc on essaie un peu de revoir si les pneus ne sont pas, comment, si les pneus sont usés, bon, on les remplace tout simplement. Mais ça reste toujours des pneus. Bien sûr, dans le cas de la Bible, bien sûr, on ne va pas enlever des choses. En fait, on ne révise pas les textes originaux. Donc ça, il faut bien les préciser. Donc les textes originaux ont été inspirés, comment dire, ont été inspirés de manière infaillible. Donc j'insiste, donc les textes originaux sont infaillibles. Donc en matière des Écritures, nous avons trois mots qu'il faut connaître. Le premier, c'est la révélation. La révélation égale la Bible, les Saintes Écritures. Donc de Genèse à Malachie, à Apocalypse. C'est ça la révélation. Les Écritures ont déjà été révélées. Donc il n'y a plus des révélations qui sont censées compléter la révélation, c'est-à-dire les Écritures. Donc nous ne révisons pas, on ne peut jamais, personne n'a, n'est-ce pas, le mandat, l'autorité de réviser la révélation, car elle est parfaite. Voilà, donc les textes originaux notamment. Or, il se trouve que ces textes originaux ont disparu, n'est-ce pas? Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre par la révision, en fait, ce sont les traductions qui sont révisées, n'est-ce pas? Donc les traductions. Je prends un exemple. Si tu m'écris un courrier en portugais, la lettre on va dire, de David à Chora, écrit en français ou en portugais, peu importe, ou en chinois. Donc cette lettre-là que je reçois, donc tu la reçois, donc tu me l'as écrit de manière parfaite, d'accord, sans aucune erreur. Donc cette lettre-là de David que j'ai avec moi, je vais la garder. Et maintenant, avec le temps, il va y avoir des copies, hein, de cette lettre de David, des copies, des traductions dans d'autres langues. À la base, cette lettre était écrite, on va dire, en portugais. Et maintenant, je la garde et je vais la partager aux frères et sœurs. Et eux, ils vont la traduire en français, en lingala, en chinois, en arabe. Voilà. Et des années après, ces lettres traduites vont tomber sur bien sûr, hein, sur des. Vont circuler, hein, pendant des années. Et puis, elles vont être constamment, n'est-ce pas, révisées. Constamment révisées. Parce que dans la traduction, on tient compte bien sûr de plusieurs éléments. Hein. On tient compte d'abord des langues utilisées pour écrire cette lettre, donc notamment la langue, donc le portugais. Ensuite, il faut tenir compte de l'histoire, également de la culture.
et tout ça, du des contextes, hein, il y a plusieurs contextes aussi. Et donc, ce sont ces traductions qui sont régulièrement révisées. D'ailleurs, toutes les Bibles, parce qu'il y a plusieurs traductions, toutes les Bibles sont régulièrement révisées. Voilà. Donc, parce que les langues aussi évoluent. Donc, on essaye, avec les traductions, les révisions, bien sûr, de mettre au goût du jour, hein, donc à l'ordre du jour, des mots, hein, et à modifier des mots qui n'existaient plus, qui ne sont plus utilisés, employés, tout en restant, bien sûr, fidèle au texte, aux langues originelles, notamment l'hébreu, le grec et quelques passages en araméen. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, la révision. Donc, nous ne révisons pas, personne ne peut et ne doit réviser les textes originaux, donc, qui d'ailleurs n'existaient plus, et ce sont des traductions qui sont révisées. Et voilà, donc tout simplement. Et réviser, c'est aussi, comme je disais, c'est-à-dire actualiser les mots, les langues, les mots utilisés, voilà, pour la bonne compréhension de tout le monde. Voilà, donc je prends juste un exemple par rapport aux mots qui sont, par exemple, changés, modifier et on va prendre par exemple Exode 32. Voilà, mes amis, Dieu est fidèle. Alors, Exode 32, et est-ce que David, tu peux justement prendre la Martin et de 1744, le verset 25, Exode 32, 25. Or Moïse vit que le peuple était dénué. Dénué. Voilà. Donc le peuple était dénué. Alors, on va prendre celle de 1744. La Martin de 1744, c'est ça, pas la 1744. Je l'ai, mais sur une tablette. Il n'y a pas de souci. Je peux aller chercher. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Et donc, on va prendre la Martin de 1744 pour la bonne compréhension des choses. Je crois que ça, c'est 1855, si je me trompe, voilà. Voilà, donc on va prendre la 1744 pour bien vous expliquer les choses. Voilà, donc même là, dans celle que tu viens de lire, là, par exemple, dénué, c'est pas le mot exact. Tu vois, donc on va l'expliquer tout à l'heure. Et c'est pas le mot exact. Et en fait, c'est voilà. Donc on essaye dans la révision, bien sûr, de mettre d'actualiser aussi la langue, hein, voilà, donc ou les langues, hein, donc pour la bonne compréhension des choses. Nous avons quelqu'un en ligne. Voilà, on peut prendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la sœur Morissette depuis Lyon. D'accord. J'aimerais savoir si la révision de la Bible a été faite à partir des textes originaux ou alors à partir d'autres Bibles qui existaient déjà. Les textes originaux n'existent plus. Voilà, donc les textes que nous avons sont des textes, des copies en fait, hein, des originaux. D'accord, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Ben, voilà. Ce qui prouve que c'est la vérité, premièrement, nous savons que les choses annoncées par les Écritures se réalisent, s'accomplissent. Donc d'abord, sur le plan prophétique, nous voyons que beaucoup de prophéties annoncées par les Écritures sont en train de s'accomplir. Et puis aussi, par exemple, il y a eu des textes qui ont été trouvés, les textes de la mer morte. Hein, des Qumran, oui. Et qui ont été retrouvés il y a quelques années de cela, et en 1947, si je me trompe, et ces textes qui sont bien sûr des vieux documents, hein, donc confirment, par exemple, les textes d'Ésaïe, par exemple, confirment aussi que nos Bibles modernes sont correctes. Ah. Voilà, donc il y a aussi l'archéologie, tout ça, qui confirme aussi la véracité des Écritures. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, ça va. Merci. Bonne soirée. Merci, vous aussi.
Donc, on va prendre donc Exode 32, 25. Exode 32, 25. Hein. Dans la version de 1744 de Lamartin. Oui, donc, or Moïse vit que le peuple était dénué aussi. Dénué. Dénué, oui. Ok. Donc voilà, donc le mot exact en fait, est, c'est dénudé. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pas dénué, mais c'est dénudé. Mm-hmm. Voilà, donc même la King James en anglais, mm-hmm. et voilà, donc parle de la, de utilise un terme qui parle aussi de qui correspond à ce mot-là. Mm-hmm. Voilà, donc dénué. Voilà, donc là, les gens comprennent encore mieux. Oui. Hein? Donc, et y a d'autres mots, hein, mm-hmm. par exemple, qu'il fallait mettre à l'ordre du jour, hein, donc, mmh. Pour que les gens comprennent. Hein, donc, il faut adapter la langue, la parole à l'évolution de la langue aussi, parce que les langues évoluent. Donc, il faut, dans la révision, bah, on essaye d'adapter, tout en restant fidèle au sens d'écriture, d'adapter les mots qui sont devenus désuètes, mmh. hein, aux langues, au langage actuel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux prendre encore comme un mot qu'on a eu à réviser voilà. Et j'avais une petite question en fait qui va un peu dans le sens de celle de David. D'accord. Que beaucoup peuvent se poser en fait, est-ce que c'était nécessaire en fait? Ah bien évidemment, plus que nécessaire. Parce hein, que ça beaucoup c'est... peuvent se poser la question, mais il y a déjà plusieurs bibles, il y a plusieurs versions, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Ok, donc je prends par exemple dans la Martin de 1544 et par exemple, on va parler, on va le verbe entendre, Martin mmh. va mettre oui. Mmh. Hein, donc oui. Mmh. Et donc, ça, c'est du vieux français. Mmh. Hein, j'ai oui, dire que tu ne voulais pas venir. Juste un exemple. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est j'ai entendu dire que tu ne voulais pas venir. Mmh. Donc on remplace oui par entendre. Mmh. Voilà. Donc il y a tout ça, par exemple. Donc vous voyez que c'est la révision, il n'y a rien de. C'est la langue est adaptée. Donc les écritures sont adaptées à langue, à nos langues modernes. Donc. Actuel, au langage actuel. Mmh. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire la révision? Oui. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que, et il y a une chose qu'il faut préciser, je le dis tout à l'heure, toutes les Bibles sont constamment révisées. Mmh. Si nous prenons la Louis II, par exemple, d'accord? Et elle est constamment révisée. Constamment révisée. Donc la dernière révision qui a été de la Louis II qui a été faite, je crois que c'est Second 21, oui, si je ne me trompe. Oui, oui. Donc et voilà, donc elle est constamment révisée et beaucoup de chrétiens et, n'y prêtent pas attention. Oui. Voyez, parce que c'est Louis II. Voilà. Voilà. Donc maintenant quand Dieu demande à quelqu'un d'autre de faire la révision de la Bible, ça va choquer. Ça va interpeller, ça va susciter des débats, des critiques, parce que ces gens pensent qu'il y a seulement un groupe de personnes qui est censé, qui est appelé à m'habiliter à faire la révision. Donc, et c'est alors que toutes les Bibles sont constamment révisées, toutes, sans exception. Voilà. Donc, et c'est nécessaire, effectivement. C'était nécessaire, pourquoi? Parce que je prends, par exemple, l'exemple de ce passage qu'on a lu ici. Hein, donc, dénué, alors que c'est dénudé. Oui. Hein, donc, et voilà, donc on peut prendre même la King James en anglais. Et, si c'est possible, ou en français. La King James, mais ce sera en anglais. Hein. En anglais. C'est donc, en anglais. Si tu peux le lire en anglais. Okay. Et aussi, si tu as le net en français, s'il te plaît, David. Et pour que les frères et sœurs aient toutes les réponses hein, concernant cette révision. Et d'ailleurs, même celle qu'on a révisée, elle sera encore révisée. Donc, ça, c'est pas le travail continu. Hein. Donc, on va pouvoir l'expliquer tout à l'heure. Donc c'est pas un problème. Là j'ai la version donc, de King James en anglais. D'Exode 32 donc verset 25. Mm-hmm. And when Moses said that the people were naked. Naked. Ouais, naked, okay. Voilà, ça veut dire nu. Voilà, dénué. Dénudé. Dénudé, ouais. Dénudé, voilà. Donc on va prendre en français la King James pour la bonne compréhension des frères et sœurs. Et voilà. Et puis, réviser, c'est aussi voir les mots, des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Oui. Donc, on fait une comparaison avec l'hébreu, le grec, et puis on essaie de, n'est-ce pas, les traduire aussi correctement. Voilà. Donc, et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu,
car Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Dévêtus. Dévêtus. Donc on sait ce que c'est, hein, dévêtus, dénués. Ouais. Dénudés, c'est la même chose. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est un synonyme, voilà, des synonymes. Donc on voit bien que là, ça a été bien traduit. Mm-hmm. Voilà. Donc, alors que dans d'autres versions, on dit le peuple était corrompu. Mm-hmm. En fait, c'est pas la même chose. Ouais, donc le peuple était vraiment nu. Mm-hmm. Hein, donc, et ça, c'est. Comment voilà. Justement expliquer la différence qu'il peut avoir entre justement cette version-là et d'autres en fait. Parce que la différence là quand même elle est grande sur un mot bien comme sûr, ça. Bien sûr, corrompu et dénudé, et dévêtu, c'est pas la même chose. Mmh. Ouais, c'est ça aussi le problème que l'on rencontre hein, donc avec les différentes sortes de Bibles. Hein. Mmh. Et c'est pour cela que nous avons voulu et vraiment faire cette révision sur les textes majoritaires. Mmh. Et ou les textes reçus qui sont les textes byzantins mmh. et hein, donc il y a des bibles les bibles qui sont comment dire issues des textes byzantins ou reçus sont nombreuses. Je pense que je vais pouvoir citer quelques-unes et voilà, il y en a pas mal. Alors alors vous avez les textes majoritaires, byzantins ou textes reçus. Mmh. Et donc vous avez la Bible de Pecito, hein, donc Pecito, mmh. donc au milieu du deuxième siècle. Mmh. Donc elle a été révisée. La Vulgate de 1405. Vous avez la Bible Université de Paris. La Bible Erasme de 1515. Mmh. Vous avez la Bible de Lefèvre, d'Étable, 1530. Donc en français, la Bible de Livetan en 1535, mmh, mmh. la Bible de l'Épée de 1540, mmh. et la Bible de Genève de 1562, mmh. la Bible de version Sassi hein, de 1693, la Bible de Martin de 1707, mmh. hein, donc ça c'est la première, Martin, la première Martin de 1707, hein, qui était une révision de la Bible de Genève d'accord. de 1562. Mmh. Et ensuite, vous avez la Martin de 1744, mmh. donc une révision. Encore. Donc Martin ouais. a fait une même première Martin révision. Donc Martin a fait une d'accord. révision de 1707. D'accord. Et cette version de la Martin a été révisée en 1744. Okay. Ensuite, il y a à la même date, donc la Bible d'Osterwald mmh. de 1744. Vous avez ensuite la Synodale de 1910. Et l'Osterwald de 1996. Et la Bible de Jésus-Christ, bien sûr, mais 1900, de 2014. Et vous avez aussi la Seconde 21, 2008, hein, qui aussi a pris pas mal de passages, hein, donc mm-hmm. de textes majoritaires, donc qui est aussi apparemment pas mal. Hein, donc voilà, donc la Seconde de 2008. Mm-hmm. Voilà, donc... Il y a quand même pas mal de bibles qui ont été révisées à partir de textes, bien sûr, majoritaires. Donc, mm-hmm. c'est toutes les bibles que je viens pratiquement de citer. Hein, donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de différences, effectivement, entre oui. les traductions. Oui. Et voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi de réviser cette Bible à partir des textes majoritaires, en regardant aussi un peu certaines versions de la Bible, donc, mm-hmm. comme l'épée, mm-hmm. Et puis, bon, bah, le texte principal mm-hmm. à partir duquel nous avons fait la révision, c'est la Martin de 1544. D'accord. Voilà. Et justement, quelle méthodologie a été utilisée justement pour ce travail? Pour ce travail. Donc je vais continuer à répondre par rapport à la révision, pourquoi mm-hmm. cette révision, donc d'accord. je donne quelques éléments. Okay. Mais avant, nous allons prendre quelqu'un qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est Cornelius, j'appelle de Mulhouse, en Alsace. J'ai deux questions. Concernant la Bible, est-ce que vous avez travaillé avec les tests, avec les livres apocryphes? Non, on les a pas comptés, non. Ok. Et la seconde question, sachant que l'Église catholique a confisqué la Bible durant 1200 ans, je ne sais pas si... Voilà, il n'y a pas de doute là concernant tous les livres qui sont dans la Bible. J'ai pas compris la question. Sachant que l'Église catholique, elle a confisqué la Bible durant 1200 ans. Oui. Et je sais
sais pas s'il y a des livres qui sont en plus ou bien en moins dans la Bible. Non, il y a des livres. Paul parle dans Colossiens d'une lettre, l'épître de Paul aux Laodicéens, qui n'a pas été retrouvée et qui a été perdue. Hein, donc, mais toutefois, les livres que nous avons actuellement dans nos Bibles, notamment des Bibles comme Lamartin, l'Osterwald, tout ça, Segond, sont des livres qui ont été inspirés par le Seigneur, bien sûr. Et tout ce dont on a besoin pour notre salut, n'est-ce pas, s'y trouve. Mm-hmm. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ok, c'était juste ça. Voilà, que Dieu soit béni. Merci. Donc, pourquoi cette révision? Donc, on a vu, déjà, la première réponse, c'est que toutes les Bibles sont révisées. Mm-hmm. Donc, tous les ans, pratiquement. Il n'y a rien de surprenant à ce que... C'est pas surprenant. Donc, c'est pas nouveau. Pas une nouveauté. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Donc, c'est pas... Pourquoi ça suscite tellement de controverses? Pourquoi autant de critiques, autant de controverses? Vous avez la réponse, je pense. Donc, on a des idées. Des idées? Ben, tu peux les partager. Bah parce que honnêtement, c'est surprenant. D'accord. D'une, c'est la première Pourquoi fois... Pourquoi c'est surprenant? C'est surprenant bah, parce que honnêtement, c'est un Africain. Mm-hmm. Honnêtement, pour parler franchement, c'est vrai que c'est la première fois aussi qu'une personne en fait dit une chose et va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Par rapport chez les, chez les francophones aussi. D'accord. Et par Africain, rapport aux francophone. Africains aussi. Africains, francophones. Okay. Parce que c'est vrai que quand justement le projet de la Bible a été annoncé, a été publié, tout le monde en fait, c'était pas forcément dit ouvertement, mais tout le monde attendait en fait que ça se casse en fait la tête, en fait la figure. Mm-hmm. On pensait pas que ça allait arriver jusqu'au bout. Et c'est pour ça que bah, ça allait un peu dans tous les sens. Mais de là, justement, là, on voit les cartons aujourd'hui, bah, on se dit, ah, quand même, il allait jusqu'au bout. D'accord. Il y avait ça déjà, parce que c'était un défi. Et de deux, c'est que la personne qui a pris bah, le risque de relever ce défi-là, bah, c'est un Africain. Et ça, forcément, qu'on le veuille pas, même dans le milieu chrétien, ça dérange quand même. Malheureusement. Ça ne devrait pas, mais malheureusement, c'est le cas. Ça, voilà. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. C'est C'est-à-dire Dieu, ben, il va prendre des personnes parfois déconsidérées pour faire avancer son royaume. Je pense que c'est comme ça qu'il procède. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, quand on voit l'équipe qui a travaillé à cette révision, eh ben, il n'y a pas de théologien. Non. À part, bien sûr, on a eu des ex, enfin Ludovic qui était un théologien mais qui a renoncé à la théologie parce que le Seigneur l'a touché par le message, il a compris que c'était diabolique. Mais je veux dire, il n'y a pas de théologien avec la mentalité théologique, tout ça, et c'est que des frères et sœurs qui sont, voilà, qui ne sont pas forcément connus. Et puis voilà, donc, et surtout, nous voyons vraiment que c'était l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit, qui a pris toutes choses, qui était au contrôle de toutes choses. Voilà, donc pourquoi cette révision? Parce que les Bibles continuent à être révisées, toutes les traductions, donc parce que les textes originaux ne sont pas, bien sûr, révisés, ne peuvent pas être révisés, voilà, parce qu'ils ont été inspirés sans faille, donc de manière infaillible. Et deuxièmement, parce qu'il faut aussi adapter, n'est-ce pas, certains mots qui sont désuètes à nos langues, à notre langage actuel, et on l'a vu, hein, donc voilà. Et aussi, il faut vérifier que tous les mots ont été traduits correctement à partir des textes originaux, donc l'hébreu, on a quand même l'hébreu biblique et le grec également biblique. Donc on compare, on vérifie et puis on essaie de se rapprocher le plus possible des textes originels, donc originaux, pardon. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Je vous appelle. J'ai une petite question en fait. En ce moment, je suis dans Daniel. Et ce serait par rapport à Daniel 5, verset 25 et verset 28. En fait, je le cite. Hein. Voici l'écriture qui a été tracée. Mené, mené, tekel, upharsin. Donc, c'est entre parenthèses, compter, compter, peser, diviser. Et dans le verset 28, en fait, c'est pas upharsin, mais c'est peres. Donc je voulais savoir si en fait il y avait une erreur enfin, au niveau des copistes, s'ils ont fait une erreur ou... Et, Daniel 5, hein, donc... Ouais, Daniel 5, ouais, à la fin du chapitre. Ok, j'arrive parce que comme l'ordre a changé, on redécouvre un peu les choses. Le second, ils ont traduit en français, donc là c'est pas un problème. Mais là, comme c'est traduit en...
c'est en hébreu, donc... Voilà, je pense qu'ils ont laissé l'insegon, ils ont laissé peut-être certaines... Attends, je vais lire dans la BJC plutôt. Donc, Daniel, on réapprend carrément là, tout, hein, donc c'est impressionnant. Et voilà. Un déformatage. Complètement. Daniel, 790. On a changé l'ordre, on est revenu à l'ordre initial. Hein. 780. En fait, c'est le Tanakh, il est dans l'ordre là, en fait. Ben, c'est ça, ben, c'est pour cela qu'on est revenu à l'ordre du Tanakh. Mm. 790. Voilà, on est comme des enfants là. Voilà, alors 790. Pour moi c'est la version Serval 96 donc. Ok. Enfin, Daniel 5. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Daniel 5, chapitre 5, verset combien? 25. De 25 à 28, en fait moi ce qui m'interpelle c'est le verset 25 et 28 parce que dans le verset 25, il est marqué Upharsin, et dans le verset 28, il est marqué Pérez, donc c'est pas le même mot, donc c'est pour ça. Ouais, je vais lire ça, je vais lire dans... Voici l'écriture qui a été gravée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'interprétation de ces paroles. Comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesée, tu as été pesée dans la balance et tu as été trouvé léger. Mesuré, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc je pense qu'ils ont laissé ça en araméen, mais sinon c'est tout simplement divisé, mesuré. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est... Pesé et divisé. Parce que là, nous on a les... C'est quoi, c'est l'araméen dans Daniel ou c'est l'hébreu, je ne sais même pas. Là je crois que c'est l'araméen. Ouais, l'araméen. Donc en fait, je ne sais pas s'ils se sont trompés, mais en araméen, donc dans le verset 25 c'est Upharsin et dans le verset 28 c'est Pérez. Donc, c'est possible, hein, c'est possible. Ça c'est l'Osterwald, hein. Ouais, ouais, c'est possible qu'il y ait une erreur. De toute façon, c'est pour cela qu'il faut plusieurs révisions, tout ça. Alors, hein. Mm. Voilà. Voilà. En tout cas, ça va être tout sanctifié. Hein. Merci pour tout ce qu'on reçoit. Merci Seigneur. Quoi. Que Dieu soit béni, frère. Bon courage. Voilà. Bonne soirée. Ok. Donc... Alors la révision, il y a plusieurs autres, hein, donc, raisons. Et par exemple, donc, on veut revenir à la parole. Oui. Hein, on veut revenir vraiment à l'essentiel et aux fondamentaux. Et nous avons aussi voulu montrer aux frères et sœurs l'ordre des livres selon le Tanakh. Donc c'est-à-dire la Bible que Jésus-Christ avait, d'accord, à son époque. Donc il n'y avait pas les écrits du Testament de Jésus, bien sûr, donc de... comment dire, Matthieu à Apocalypse. Donc ils avaient les écrits de Matthieu, de Genèse à Malachie. D'accord. Et donc on a voulu revenir à l'ordre des livres qui étaient, n'est-ce pas, dans cette Bible. Voilà. Donc vous me direz, c'est pas salutaire, mais bon, nous voulons quand même que les frères et sœurs découvrent ces choses-là. Voilà, parce que bon, nous aimons la vérité, nous voulons aussi vous faire partager ces choses. Donc ensuite, il y a l'ordre des livres aussi du Tanakh, du Testament de Jésus. Par exemple, nous avons voulu aussi, avec cette révision, montrer aux frères et sœurs que l'ancien, les termes Ancien et Nouveau Testament n'existaient pas. D'accord ? Ancien et Nouveau Testament n'existaient pas. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce que les théologiens nous ont fait croire. N'est-ce pas ? C'est ce que l'on retrouve aussi dans beaucoup de Bibles. Donc, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas non plus de Nouveau Testament. Pourquoi ? Ben, c'est simple, on ne cesse de l'expliquer. C'est pour cela que nous avons voulu faire plusieurs émissions pour bien vous expliquer les choses, pour que vous ayez de quoi, n'est-ce pas, aussi défendre la sainte doctrine, que vous ayez les arguments pour pouvoir défendre la vérité. Et si on prend Hébreux chapitre 9, le verset 16. Donc tu pourras nous le lire s'il te plaît. Et, 16 à 17. Donc il y a une personne en ligne, on va la prendre tout à l'heure. Donc Hébreux 9, verset 16 à 17. Hébreux 9, 16 à 17. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Verset 18. C'est bon. Merci. Donc on apprend ici que
Et on apprend que tant que le testateur est en vie, son testament n'a aucune valeur. D'accord ? Donc il faut que, pour qu'il y ait un testament, pour que un testament soit validé, il faut que la mort du testateur soit constatée. Donc, nous comprenons par là que l'ancienne alliance, donc l'alliance mosaïque, la loi mosaïque n'était pas un testament parce qu'il n'y avait pas de testateur. Et par contre, la nouvelle alliance est à la fois alliance et testament. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Yeshua est notre testateur. D'accord ? Nous sommes dans Galates chapitre 3. Le verset 15. Mes frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. D'accord ? Et voilà, donc ici on voit que ce sont les hommes qui font les testaments. Or, la loi mosaïque, l'alliance mosaïque, n'est-ce pas ? L'ancienne alliance était, n'est-ce pas, une alliance cérémonielle. Une loi cérémonielle, comme Hébreux 9 le dit. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, il n'y avait pas de testateur. Les animaux ne nous ont pas, ne nous ont rien légué, car leur sang n'ôtait pas le péché, mais il le couvrait simplement. D'accord ? Or, Yeshua est venu comme un testateur et il nous a légué un héritage, un testament. Il nous a légué, il nous a donné, il nous a laissé un héritage. Voilà pourquoi nous sommes appelés héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et nous avons hérité la vie éternelle, de la vie éternelle. Nous avons hérité de la paix, nous avons hérité de la joie, de diverses grâces du Seigneur. Donc voilà pourquoi la nouvelle alliance est aussi un testament. Donc au lieu de l'appeler le Nouveau Testament, donc nous l'appelons, ce qui est logique, le testament de Jésus-Christ. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est ça qui change aussi. Ça change beaucoup. Donc, comment ? Ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que du coup, Jésus-Christ, qui est notre testateur, est bien présenté. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Au lieu de dire Nouveau Testament, là, c'est le testament, c'est la personne, le testament même, de Jésus. C'est vraiment sa personne. C'est carrément sa personne, c'est carrément sa mission. Il est venu comme un testateur, n'est-ce pas ? Donc, nous étions dépossédés. Satan nous a dépossédés. On a été dépossédés de quoi ? De notre héritage, de la vie éternelle. Voilà, un des plus grands héritages. En mangeant ce fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont été dépossédés de leur position de fils et fille de Dieu. Ils ont été dépossédés de la vie éternelle. Ils sont devenus mortels. D'accord ? Donc maintenant, il fallait rendre cet héritage-là. Il fallait amener les hommes à retrouver leur héritage. Et c'est pour cela que Yeshua est venu mourir sur la croix pour, n'est-ce pas, de fait que par sa mort, il nous, n'est-ce pas, lègue, n'est-ce pas, cette vie, nous rende cette vie éternelle et encore mieux. Donc, que ce qu'Adam et Ève avaient. Donc, voilà pourquoi Yeshua est vraiment le testateur par excellence. Voilà. Donc, et ici, Paul nous dit dans Galates 3 qu'un testament fait par un homme ne peut être annulé. Et personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Donc, si on ne peut pas annuler un testament, les testaments faits par les hommes, donc, il y a comme une plus forte raison, le testament de Yeshua. D'accord ? Donc, si Yeshua dit que personne ne peut tuer ses enfants, c'est un testament, nous avons reçu la vie éternelle. Donc, quoi que les hommes fassent, quoi que les hommes disent, quoi qu'ils fassent contre nous, contre vous, si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, personne ne peut plus rien contre nous. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi Paul disait, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la faim, ni les démons, ni les anges, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua. Allô, bonsoir. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la maison d'édition qui a bien voulu éditer la BJC. En fait, j'aimerais savoir si vous avez rencontré de l'opposition par rapport à ça, si on vous a demandé un peu qui vous étiez, entre guillemets, pour réviser la Bible ou si la maison d'édition a accepté simplement. Bon, nous avons, c'est une très bonne question. Il y a
quelques années de cela, je ne sais plus exactement quand, la première fois que le Seigneur m'a fait, quand j'ai commencé à écrire des livres, hein, des ouvrages chrétiens, et nous avons contacté un éditeur chrétien. Je me rappelle, le premier livre que le Seigneur m'a fait écrire, c'était « Église influente ou influencée », si je ne me trompe. Et j'avais contacté un éditeur chrétien pour éditer ce livre. Et quand on lui a envoyé le manuscrit, quand il a vu le contenu, il a aussitôt refusé, parce qu'il était question de la dîme, n'est-ce pas, qu'il ne fallait plus la payer. Il a refusé. Nous avons contacté d'autres maisons d'édition qui ont refusé également. Et le Seigneur, à l'époque, nous avait demandé de mettre en place carrément, de créer carrément une maison d'édition pour éditer nous-mêmes nos propres livres. Et donc, nous avons mis en place un service d'édition qui s'appelle ANJC Productions. Et c'est cette maison d'édition qui a édité justement la BJC. Voilà. D'accord. Et qui édite également tous les livres que nous écrivons. Voilà. Ah bah ça répond ok, parce que ça aussi je m'étais déjà posé la question. Mais j'ai jamais pu poser la question, mais ok. D'accord. Que Dieu soit béni. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Voilà, parce que si on avait contacté les maisons d'édition, certes, on allait avoir des soucis. Et voilà, mes amis. Et puis, il y a ça, il y a... Réviser, comme je le disais, c'est aussi vérifier en même temps les textes originaux. D'accord. Même si à la base nous avons utilisé la Martin de 1744, nous avons beaucoup consulté les textes originaux, le grec et l'hébreu. L'hébreu et le grec. Je prends un exemple, par exemple. Dans Matthieu chapitre 19. Le verset 6. Matthieu 19, 6. Est-ce que tu peux nous lire dans cette version, dans la Luce Segond, que tu as marre, David, s'il te plaît. Alors, Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, en faisant cette révision, parce que je vous donne les raisons pour lesquelles les révisions sont faites. Là, par exemple, on révise en regardant aussi les textes originaux. Dans la version de la Martin, tu peux lire, Martin a fait comme Segond dans ce passage, a révisé comme Segond. Il ne s'est pas basé sur Segond parce que Segond est venu après la Martin. Donc Matthieu 19.6. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est ce donc que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Que ce que Dieu a joint, donc l'homme ne le sépare pas. Voilà, c'est Martin. Donc il y a le verbe joindre. Joint, voilà. Alors nous avons voulu vérifier à chaque fois. Donc on a vraiment fait un travail de titan. C'était très très dur parce qu'il fallait pratiquement vérifier tous les mots. Aller voir l'hébreu, le grec, voilà. Et en vérifiant justement ce passage-là, dans le grec, nous nous sommes rendu compte le verbe joindre voulait dire plus que ça. Qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis comme le grec le dit, effectivement. Alors je veux lire dans la BJC. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Voilà. Mettre ensemble sous un joug. Et eux, ils ont raccourci ce mot-là par joint. D'accord. Voyez, pas la même portée. Ouais. Ça n'a pas la même signification. Parce qu'ils ont voulu aussi raccourcir les choses. Ils ont voulu embellir la langue, la lecture, rendre plus facile la lecture. Donc ils ont raccourci, certains traducteurs ont raccourci les mots. Nous avons voulu revenir au texte grec pour la bonne compréhension du texte. Ce que Dieu a mis, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Et nous comprenons que le mariage,
est vraiment un joug. Voyez, donc le joug du Seigneur. Et on comprend aussi dans Matthieu 11, 28, quand le Seigneur disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? Prenez mon joug sur vous. Hein? Donc mon joug est doux. Hein, et mon fardeau est léger. Donc là, on comprend qu'à l'époque de Moïse, justement, les bœufs étaient attelés ensemble. Hein, donc il y avait une paire de bœufs à chaque fois, hein, deux par deux. Et ils avaient entre leurs coups hein, un joug. Et donc s'il y en a un qui tombe, qui tombait, l'autre tombait forcément. Donc nous comprenons pourquoi il est dit que mes amis, deux valent mieux qu'un. Hein, donc on comprend que dans le mariage que si l'homme tombe, automatiquement la femme tombe. Donc nous comprenons pourquoi quand Ève a mangé ce fruit, Adam ne pouvait que le manger. N'est-ce pas? Donc voilà, parce qu'il y en a un qui tombe quand vous portez un joug, donc forcément tu entraînes l'autre. Voilà. Et là, c'est ça a toute une... On comprend encore mieux, mes amis, et les choses. Quoi. Donc voilà, le travail qu'on a, qu'on a voulu faire. Et voilà. Donc ça, c'est aussi la révision. Voilà. Au lieu de répéter comme les autres, on vérifie dans le grec, dans l'hébreu. Et c'est pour cela que la BGC est forcément différente de la Martin de 1744. Donc c'est normal. Vous prenez la Martin de 1544 et la Martin de 1855, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est ça la révision. Et quand vous allez prendre la révision, la prochaine révision qu'on va faire en 2015, donc il y aura aussi des choses qui vont évoluer et par rapport à la BGC. Donc et c'est ça la révision. Donc c'est ça qui est magnifique. C'est vrai que ça pousse encore à voir. En fait, ça nous ramène vraiment à la pensée première de Dieu. Effectivement. Parce que c'est vrai qu'on s'était égaré en fait, mine de rien, parce que là, rien que le peu qu'on vient de ce que le peu entre guillemets, ce qu'on vient juste de lire là. C'est tout un enseignement, rien qu'un mot. C'est tout un enseignement parce que là, on comprend mieux pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 6, il disait, par exemple, je vais le lire par rapport au joug, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 6, par exemple, et qu'est-ce que Paul nous demande par l'esprit, bien sûr, hein, et Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens 6, et au verset 14, « Ne portez pas un même joug avec les infidèles. » D'accord. « Ne portez pas. » Hein, là, dans d'autres versions, ils mettent « ne vous mettez ne pas ». Ne vous mettez pas avec, oui. N'est-ce pas? Là, c'est « porter » plutôt. Oui. « Ne vous portez pas, hein, ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ou quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on voit que Paul demande, par l'esprit, le Seigneur demande pas. Il utilise Paul pour dire aux frères et sœurs, ne portez pas un même joug avec les infidèles. Donc, et le joug hein, parle aussi de la collaboration. Hein? Donc on ne peut pas collaborer avec les ténèbres. On ne peut pas se mélanger. Donc la Bible est contre l'écuménisme, contre le syncrétisme, et aussi contre le mariage entre un chrétien engagé et une infidèle, ou une chrétienne avec un infidèle. Parce qu'il va y avoir des soucis. C'est pour ça que Paul dit que il faut que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et on comprend aussi, sous la loi Moïse, de Moïse, Dieu disait qu'il ne fallait pas atteler ensemble un bœuf et un âne. Vous voyez? Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous comprenons juste à partir de ce passage de Matthieu 19, 6. Que ce que Dieu a mis ensemble sous un joug ne soit pas séparé. Et là, c'est quand même... vous voyez, il y a tout ça, tout cet enseignement là que l'on peut tirer, hein, mes amis, juste de ce passage-là. Voilà. Donc voilà, je voulais lire un passage là, vite fait là. Dieu est vraiment... magnifique frères et sœurs. Et Dieu est trop fort. Il nous enseigne. Il nous révèle sa pensée.
Et voilà, je crois que c'est dans Deutéronome. Donc, vous voyez, c'est, on redevient comme des enfants, là, comme des étudiants qui viennent de commencer leur cours avec cette révision, frères et sœurs. Comprenez notre, notre émotion en même temps. Et voilà. Donc, je crois que c'est Deutéronome 22, si je ne me trompe. Voilà, Deutéronome 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf ensemble. Vous voyez ? Donc, Deutéronome 22, 10. Tu ne laboureras point avec un âne et un bœuf ensemble. Donc, littéralement, mettre un joug, un joug sur les deux. Vous voyez, l'âne et le bœuf ne sont pas censés, n'est-ce pas, être unis. Hein? Parce que les deux, s'ils sont unis, là, ils vont donner quelle, quelle postérité. Là. Vous voyez, donc, c'est pour cela, Paul, dans 2 Corinthiens 6, justement, il dit que ne portez pas un même joug avec les infidèles. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur disait, justement, dans Matthieu 19, que le mariage est un joug. Vous voyez. Et donc là, dans nos versions, là, nos modernes, là, on ne met pas ça. Et autre chose, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, lisez ça dans vos versions. Genèse 12, verset 1er. Alors, Genèse 12, au verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Alors, là, il y a un mot, tout un mot hébreu qui a été retiré de la plupart des Bibles, voilà, et que nous avons restitué ici. Or, Yahweh dit à Abraham, va pour toi. C'est va pour toi qui a été enlevé. Va pour toi. Donc, hors de ta patrie, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc, va pour toi. Et pourquoi va pour toi? Parce que Abraham plus tard, devrait d'abord sortir pour lui. D'accord? Avant de prétendre sortir les autres. Oui. Donc si on n'est pas sorti soi-même du péché, du système religieux, on ne pourra pas sortir les autres. D'accord? Donc va pour toi. Donc il est question de toi. Il est question de te retrouver toi, avec toi-même, pour avec Dieu en même temps. Amen. D'accord. Donc va pour toi. Donc voilà. Comment veux-tu sauver les autres si tu n'es pas sauvé? Mais regarde ce que Paul justement dit dans cet ordre d'idées. Hein, dans 1 Timothée 4, 16. Et 1 Timothée 4, 16. Je veux le lire. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. D'accord? Va pour toi. C'est-à-dire, tu es sauvé et tu sauves les autres. D'accord? Va pour toi et ensuite les autres te suivront. Voilà. Donc, ça, on a rectifié ça parce que dans les Bibles hébraïques, il y a ça. Hein, donc, cette phrase-là, va pour toi. Voilà. Et d'ailleurs, même Jean-Marc Taubois, qui est un enseignant de la Bible, parle aussi de cela. Donc, va pour toi. Voilà. Donc, voyez, c'est ça aussi la révision. Et voilà. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, c'est le frère Freddy. J'appelle pour poser une question. D'accord. Oui, en fait, j'ai regardé dans la Bible, au niveau d'un passage biblique, Zacharie 13, verset 8. Dans la saison, il est mentionné que dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Par contre, dans la matin, on dit il arrivera dans toute la terre. J'aimerais savoir si dans toute la terre, on parle de la terre d'Israël ou de la terre entière. Ok, je comprends. En fait, c'est le mot Eretz, hein? Donc, qui a été traduit parfois par, qui signifie premièrement terre, mais il a aussi été traduit par pays. Donc, il est question ici de la terre d'Israël. Ah, ok. Voilà. Donc, il est question de la terre d'Israël. Eretz a été aussi utilisé pour la terre, toute la terre, hein, donc toutes les nations, donc la terre, voilà.
Mais là, dans ce passage, il est question, bien sûr, de la terre d'Israël. Et parce que si tu prends le contexte, au verset 1er, en ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et des habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Il arrivera aussi en ce jour-là, dit Yahweh des armées, que je retrancherai du pays les noms des faux dieux et on n'en fera plus mention. J'ôterai aussi du pays les faux prophètes et l'esprit d'impureté. Il arrivera que quand quelqu'un prophétisera dorénavant, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras plus, car tu as prononcé des mensonges au nom de Yahweh. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Et il arrivera en ce jour-là que les prophètes seront honteux, chacun de sa vision, quand ils prophétiseront. Et ils ne seront plus vêtus du manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, mais je suis laboureur, car on m'a appris à gouverner du bétail dès ma jeunesse. Et si on lui demande, que veulent donc dire ces blessures que tu as aux mains? Et il les répondra, c'est dans la maison de mes amis qu'on me les a faites. Épée, réveille-toi contre mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit Yahweh des armées. Frappe le berger et les brebis seront dispersées, et je tournerai ma main vers les faibles. Il arrivera dans tout le pays, dit Yahweh, que les deux tiers seront retranchés et périront, mais l'autre tiers y demeurera de reste. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exercerai, je dirai, c'est ici mon peuple. Voilà, je vais tourner la page là. Les pages sont fines. C'est ici mon peuple, et il dira, Yahweh est mon Dieu. Pardon. Donc il est question du peuple d'Israël. Ah, okay. De la terre d'Israël. Comment? Que Dieu soit béni. Merci. Je veux que je ne sois pas béni. Voilà. Donc vous voyez, tout ça là, c'est. C'est... Donc on a compris qu'effectivement, les révisions, ce n'est pas nouveau. Mm-hmm. Et tout à l'heure, tu as parlé de mots restitués. Donc vous avez. Enfin, ce qui a été fait dans ce travail-là, c'est chaque mot a été examiné. En tout cas, pas chaque mot, d'accord. Mais l'essentiel, d'accord. Des mots. Et donc, c'est ce qui m'a personnellement aussi pris beaucoup, beaucoup de temps, mm-hmm. Et beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Hein, donc, parce qu'il fallait pratiquement restituer effectivement ces mots et puis vérifier à chaque fois les termes, les mots hébreux, grecs, tout ça, mm-hmm. et pour la bonne compréhension du texte. Mm-hmm. Et c'est ça qui a aussi beaucoup pris du temps. Mm-hmm. Et voilà. Donc, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous pouvez y aller, on vous entend. Oui, je suis la sœur Élie. Ok. J'aimerais poser une question par rapport à la dîme, parce que j'avais vu une de vos vidéos une fois, où vous expliquiez que, en fait, Aaron était de la tribu des Lévites, si je ne me trompe pas. Aaron était Lévite, toi, hein? C'était les Lévites qui devaient donner la dîme au sacrificateur. Tout à fait. Mais comment est-ce que ça se fait? Donc si Aaron était Lévite, les Lévites devaient encore lui donner de la dîme. Moi, je suis un peu embrouillée par rapport à ça. Bon, déjà, l'émission de ce soir, c'est plutôt autour de la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Il y a tous les enseignements relatifs à la dîme sur TV de vie, sur nos pages YouTube, tout ça, Dailymotion. Mais toutefois, comme vous avez appelé, donc je vais quand même répondre rapidement à cette question. Aaron était descendant de Lévi. Lévi était un de 12 princes d'Israël, un de 12 patriarches, hein, donc un de 12 fils de Jacob et d'Israël. Donc, et c'était les Lévites percevaient la dîme du peuple. D'accord? Le peuple payait aux Lévites une dîme. Et les Lévites prélevaient sur cette dîme la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux sacrificateurs. Donc Aaron était Lévite et
même Dieu l'avait établi grand prêtre, et ainsi que tous les descendants, tous ses descendants, donc tous les enfants d'Aaron, leurs descendants, tout ça, étaient à la fois lévites et sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient essentiellement les descendants d'Aaron. Et c'est à eux que les lévites, les autres lévites, donnaient la dîme de la dîme. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, est issu, Jésus-Christ homme, de la tribu de Judas. Donc, nous ne sommes pas des lévites. Nous sommes des judéens. Or, aucun membre de la tribu de Judas ne percevait la dîme. Donc, comme nous sommes aujourd'hui le corps de Christ, Christ étant le lion de la tribu de Judas, donc nous n'avons aucune, n'est-ce pas, aucun droit de réclamer la dîme de qui que ce soit. Et cette dîme justement qui était payée aux sacrificateurs, et la dîme de la dîme par les Lévites, a été abolie. Donc le Seigneur a tout accompli. Et nous sommes tous sacrificateurs, tous les enfants de Dieu, y compris les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les anciens, les diacres. Hein, nous sommes tous prêtres. Et nous avons notre grand prêtre qui est Yeshua. Maintenant, étant sacrificateur, et les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. C'est pour cela qu'Aaron n'a pas payé la dîme. Hein? Il a payé en Abraham, mais Aaron ne payait pas la dîme. Ses enfants ne payaient pas la dîme. Ils mangeaient la dîme de Lévite, la dîme de la dîme. Donc nous sommes tous sacrificateurs aujourd'hui, prêtres. Et maintenant, à qui doit-on payer la dîme? Aux Lévites. Donc la tribu de Lévi a disparu avec les autres tribus. Donc voilà. Donc voilà. C'est bon, c'est clair pour toi? Oui. Donc voilà, on peut se tutoyer. Merci, que Dieu te garde, ma soeur. Voilà mes amis, et alors d'autres questions mes amis? Oui, alors tout à l'heure tu as parlé d'une prochaine révision 2015. Mm-hmm. Moi ma question est de savoir, est-ce que dans cette Bible, la BJC qui vient de sortir, est-ce qu'il peut y avoir une faute? Bien sûr, dans toutes les. Il n'y a que les textes originaux. Il ne faut pas être prétentieux. Mm-hmm. Il n'y a que les textes originaux qui sont infaillible. Amen. Il n'y avait aucune faute. Et tout ce que l'homme, tout le travail que l'homme entreprend, est forcément a des fautes. Mm-hmm. Donc, et moi le premier, mm-hmm. n'est-ce pas? Donc il n'y a que les textes originaux. C'est-à-dire quand Pierre, Paul, Jacques, Ésaïe, Matthieu, Moïse, quand ils écrivaient ces livres-là, quand Dieu leur a ouvert l'intelligence, mm-hmm. ils les ont écrits sans faute. C'est pour cela que nous disons que la révélation, donc les écritures saintes, les textes originaux, sont infaillibles. Ensuite, il y a la deuxième chose à savoir. La première chose, c'est la révélation, donc les écritures. La deuxième, c'est l'inspiration, qui est aussi infaillible. Mm-hmm. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, il y a l'illumination. Donc, photizo en grec, donner l'éclairage, rendre évident. L'illumination est faillible. Mm-hmm. L'illumination nous permet de comprendre la révélation. Quand Paul disait dans Éphésiens 1, 18, « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez quelle est l'espérance, l'héritage qui est attaché à son appel, en gros. » Et donc, l'illumination est, n'est-ce pas, faillible. Donc, c'est pour cela, dans toutes les révisions de la Bible, dans mm-hmm. toutes les Bibles qui existent, il y a des fautes d'orthographe, mm-hmm. par exemple, mm-hmm. dans toutes les Bibles. Tout à fait. C'est obligé. Ouais. Donc, des fautes de frappe, même des versets manquants. Mm-hmm. On a par exemple la Bible de Louis II Scholefield, mm-hmm. par exemple, la version Scholefield. Mm-hmm. Il y a deux versets, mm-hmm. si je me trompe, hein, mm-hmm. deux versets qui manquent. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut les montrer par exemple, mm-hmm. si tu t'en souviens? Mm-hmm. Voilà, donc il y a deux versets qui manquent. Pour ceux qui l'ont, hein. Donc c'est dans Marc 9. Donc Marc chapitre 9, pour ceux qui ont la version de Segan. Lui, avec les commentaires de Scholefield, vérifiez tout de suite dans vos Bibles. Vous allez voir qu'il y a deux versets qui manquent. Le 44, si on prend Marc 9, 44, ben on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas le 44 ni le 46. Et que ça fait 42, 43, 45, 47 et 48. Marc chapitre 9, combien? 44. Marc chapitre 9, verset 44. Et donc,
Et là, il n'y a pas carrément même les deux numéros, 44 et 45, n'existent pas. Tout à fait. Il n'y a pas de chiffre. Hein. 44 et 46, oui. 44, 45, 46. 45, s'il y a. 45, il y a. Donc, vous voyez, frères et sœurs, vous qui êtes chez vous, prenez, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, tout de suite, vous qui avez la Louis Segond, et Louis Segond avec les commentaires de Scholefield, hein, qui est une Bible d'étude, prenez Marc chapitre 9, versets 45 et 44, vous allez voir qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de numéro, le numéro 44, il n'y a pas non plus la phrase, hein, donc le verset, et le 46 également n'existe pas. Vous voyez ? Et ils ne l'ont pas fait volontairement. Ça, c'est un oubli. Un oubli. Et parce que ce sont des hommes, parce que nous sommes des hommes. Et voilà, donc ils ont travaillé dur pour faire cette révision, ce travail. Et, mais il y a deux versets manquants. Voilà, donc, si je lis par exemple, donc tu essaies de lire à partir du verset 43 par exemple, de Marc 9, David, dans cette version justement. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir deux mains, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45 donc, si ton pied... Alors que dans le verset 44, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Tout ça, il n'y a pas. Vous voyez ? Et le verset 45 ? Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Ok, je verset saute. 46, il n'y a 46, pas. J'ai pas. Alors je vais lire ce qu'il y a, logiquement, dans le verset 46. Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. Voilà, ça on l'a pas. Il n'y a pas. Non plus. Et tout de suite, c'est le verset 47. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la seconde 1910? Je ne sais pas si on peut... Si ce passage-là, c'est deux. Donc là, ça passe de 40. Voilà, c'est quand même. Voilà, c'est. Voilà. Donc il y a carrément deux versets qui sont inexistants. Et ils les ont simplement oubliés. Voilà. Donc. Alors là, donc ce que j'ai, hein, donc au verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Okay. Verset 44, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc ils ont encore oublié. Ils ont encore oublié. Ce verset-là, ils ont simplement mis le verset 44 un peu plus haut, mais ce que tu as lu tout à l'heure n'y apparaît toujours pas. Hein. Ok. Voilà. Voilà, donc vous voyez bien que c'est... Je ne sais pas s'il n'y a pas une seconde qui a rectifié, qui a... Yeah, c'est même second, voilà, là, je sais pas. Non, moi non plus. Et là, tu l'as aussi? Non, moi non, j'ai pas non plus. Tu l'as pas non plus? Que, voilà, y a pas. Voilà, donc on voit bien que... Et même dans la Scholefield, il y a aussi des fautes d'orthographe, si je ne me trompe. Oui, on avait vu ça. Mais pas. Voilà, donc on l'a pas. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, bien sûr. C'est pour cela que le travail de la révision est un travail perpétuel. Donc, au fur de la lecture, on découvre des choses, et puis on restaure, on rectifie, et on avance comme ça. Amen. Voilà, donc c'est ça qui est magnifique. Amen. Voilà, donc en 2015, il y aura justement, on va faire encore quelques tirages. Hein, donc, je crois que 1000, hein, on va commander encore 1000 exemplaires, même plus. Hein, d'accord, ouais. Parce que je vois que le Seigneur soutient financièrement, et les frères et sœurs comprennent, soutiennent encore financièrement pour qu'on en imprime d'autres. Donc en 2015, il y aura d'autres tirages, bien sûr, et les choses vont évoluer comme ça. Au nom de Yeshua. Donc voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Élodie de Paris. D'accord. C'était pour poser une question par rapport à un passage. Par exemple, quand Jésus disait que je détruirais ce temple et je le rebâtirais en trois jours. D'accord. Je me souviens plus du verset. C'est plus... Vous l'avez, ce verset ? Détruire ce temple, oui, dans je crois que c'est Jean chapitre 2. Hein. D'accord. Ouais. Voilà. Donc... Je voulais savoir si bon, il y a eu des rectifications par rapport à ça, mais le Seigneur aussi m'a révélé des choses par rapport à ça. Et... Jean chapitre 2, verset 19, Jésus répondit, alors dit, détruire ce temple, et en trois jours, je le releverai. Oui ? Il est question de son corps. Comment ? Il est question de son corps. Oui,
Ouais, tout simplement. Il est parlé de sa mort et sa résurrection. Mais quand il dit je rebâtirai en 3 jours, il parlait aussi de l'Église parce que nous sommes le corps du Christ. Non, il parlait de la résurrection. Ah, d'accord. Il parlait de, et en fait, se relever précisément, c'est ressusciter. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mmh. D'accord. Ben, merci. Bon courage, ma sœur. Au revoir. Voilà, donc le travail de la révision, et puis bon, ben dans la révision aussi, donc on approfondit les choses, mmh. Voilà, au fur et à mesure, on avance, on creuse, et c'est ça qui est beau, donc c'est magnifique. Donc d'autres questions Là, tout de suite, non, à part que bah, on a l'eau à la bouche, ça c'est sûr, on attend le 19 également, pour ma part, là, tout de suite, j'ai pas... Voilà, donc... d'autres questions. Donc vous avez compris que ben, dans toutes les traductions, hein, donc, on trouve bien sûr les erreurs d'orthographe. Il peut y avoir quelques oublis. Mmh. Hein, donc ça, c'est des choses qui arrivent hein, quand un travail aussi énorme est fait. Et donc c'est au fur et à mesure que les années passent, que le travail est perfectionné. Et puis il y en a, ils mettent aussi, il faut comprendre, il y en a, ils mettent par exemple 20 ans hein, pour faire une révision, d'autres 10 ans, 5 ans. Et Dieu nous a fait quand même grâce de mettre moins d'un an pour faire un travail avec une Bible, voilà, quand même une belle Bible, Bible hein, une belle Bible quand même, il faut le reconnaître. C'est le Seigneur qui nous a aidés là, totalement, donc sans son soutien, nous n'aurions pas pu fournir ce travail. Et à lui toute la gloire d'ailleurs. Et donc on voit qu'en moins d'un an, ce travail était fait. Et donc, bien sûr, il est amené à être... encore perfectionné. On ne perfectionne pas la parole, elle est parfaite, mais c'est la révision, la traduction qui est perfectionnée. Donc que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Voilà. Donc allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. N'écoutez pas votre ordinateur, s'il vous plaît. Je voudrais juste demander pas votre ordinateur, s'il vous plaît. D'accord, ben je vais baisser. Alors, je voudrais juste avoir, pour avoir une comparaison selon, dans la Bible, par rapport à la BJC. Donc, sur Ézéchiel 44, dont la Bible nous parle sur le portique du prince. Donc j'aimerais avoir la comparaison par rapport à Ézéchiel 44 parce que selon la version que j'ai ici, donc j'aimerais vraiment comprendre puisque c'est un verset qui est, enfin, je pense que c'est, moi j'ai la version Semeur et c'est un message prophétique qui est toujours difficile pour que je puisse comprendre et donc par rapport à la BJC j'aimerais comprendre si, ce que... Donc, 44 combien ? Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? 44 combien ? 44, 1 à 4. Il me ramena vers la porte extérieure du lieu saint, du côté oriental, mais elle était fermée. Yahweh me dit, cette porte-ci sera fermée et ne sera point ouverte. Personne n'y passera parce que Yahweh, le Dieu d'Israël, est entré par cette porte. Elle sera donc fermée. Elle sera pour le prince, et le prince sera le seul qui s'y assiera pour manger le pain devant Yahweh. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et sortira par le même chemin. Oui. Il me fait revenir par le chemin de la porte nord, jusque sur le devant de la maison. Je regardais et voici la gloire de Yahweh avait rempli la maison de Yahweh et je me prosternais sur ma face. Oui. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est passé par là. Mais tout de suite au verset 3, on nous dit, le prince, en sa qualité de prince, va s'asseoir pour partager son pain. Mais on nous dit que lui, il passera par cette porte et on nous annonce aussi un chemin. Alors, donc, je suis un peu embrouillé parce que Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Je sais que vraiment, ça parle du Seigneur. Tout ce message tourne autour de Christ. Mais par rapport à la version BJC, qu'est-ce que vraiment ça veut nous enseigner, la parole veut nous enseigner par rapport à ça? De toute façon, la porte, elle est ouverte aujourd'hui. Hein.
Donc, je veux dire, la porte, Christ est la porte, tout ça, il a inauguré un chemin nouveau pour nous. Donc, voilà, il n'y a plus aucune porte qui soit fermée. Hein. Donc, Hébreux 10 le dit, d'ailleurs, je vais pouvoir le lire. Et, ben, oui, ben nous sommes assis et nous mangeons le pain tous les jours aujourd'hui. Hein. Nous mangeons le pain, la parole de Dieu, nous sommes... voilà, donc Christ est notre pain, a été, notre Pâque a été immolé, Christ est le pain de vie, donc et nous mangeons par rapport à notre communion avec le Seigneur, ben, nous mangeons du pain et en méditant la parole, nous mangeons le pain de vie. Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint de Saints au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair. » Voilà. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi, frère, est-ce que la BJC nous parle, c'est la même version? C'est ce que la même chose que la BJC nous en parle ou c'est pas la même chose? Je comprends pas. Sur la version BJC, est-ce que c'est les mêmes paroles qui sont dites dans la version Semeur? Ah ben non, c'est pas. Ah non, la version Semeur, c'est une version un peu. Voilà, c'est pas une Bible qu'on recommande. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Ok frère, bon courage. Merci, au revoir. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour de. Par rapport à la révision, oui, maintenant combien est-ce qu'elle va coûter? Combien est-ce que la BGC va coûter? Ben rien. D'ailleurs, on l'a bien mis, hein. Interdite à la vente. Donc gratuite. Elle est gratuitement, ouais. Donc elle est gratuite, pardon. Donc elle sera donnée gratuitement, donc elle est gratuite. Amen. Et donc pourquoi? Parce que ben, frères et sœurs, nous sommes convaincus que la parole est vraie, que la parole est digne de confiance, que le Seigneur doit être obéi, hein, doit être honoré, respecté. Amen. S'il a donné un ordre dans Matthieu 10, 8, en disant vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le. Mmh. Ça, c'est la version de Lamartin et BGC également. Mmh. Vous l'avez reçu. Reçu quoi? La grâce. Mmh. Mmh. Gratuitement. Donc les dons, tout ça. Et l'appel, donnez-le gratuitement, disait-il. Donc, donc je ne vois pas pourquoi nous allons vendre la parole. Mmh. Voilà. Mmh. Et quand on vend la Bible, le fait de vendre la Bible, n'est-ce pas, empêche. En fait, je dirais même, la vente de la Bible est rédhibitoire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mmh. C'est-à-dire, ça empêche, hein, la vente des Bibles empêche l'avancement du royaume, empêche les pauvres, hein, donc d'accéder à la connaissance de la vérité. Mmh. Vous voyez? Donc, je ne vois pas en quoi, en qualité de qui, allons-nous, mes amis, après avoir fait un tel travail dont on n'est pas digne, je ne vois pas en qualité de qui allons-nous, mes amis, vendre ce livre et de ce fait empêcher ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont aucun sou, d'y accéder. Qui sommes-nous pour dire à ceux qui n'ont pas d'argent, ben, vous n'avez pas le droit d'accéder à la connaissance? Qui sommes-nous? Jésus n'a jamais procédé ainsi. Il a donné tout ce qu'il avait gratuitement. Il nous a sauvés gratuitement. Amen. Le salut est offert gratuitement. Et les enseignements que le maître donnait étaient donnés gratuitement. Ouais. Il priait pour les malades. Il les guérissait gratuitement. Mmh. Il les nourrissait gratuitement. Et je ne vois pas pourquoi nous qui sommes censés limiter, nous sommes ses disciples, nous qui sommes ses disciples, allons-nous, mes amis, vendre la parole sous prétexte que ça coûte cher, papier, l'impression. Eh bien, frères et sœurs, en moins de 8 mois, Dieu nous a donné plus de 5 000 euros,
101 000 euros, si je ne me trompe, et alors qu'on avait seulement besoin de 83 000 euros. 83. Donc, je ne vois pas pourquoi, mes amis, allons-nous limiter notre Dieu. On voit qu'en 8 mois, il nous a donné au-delà de ce que nous avons demandé pour pouvoir imprimer ces 10 000 exemplaires. Et pour votre information, l'imprimeur, alors qu'on avait commandé seulement 10 000 exemplaires, il nous en a donné, n'est-ce pas, il nous a fait don de 300 Bibles. Donc en tout, on a récupéré 10 300 Bibles. Donc vous voyez comment Dieu opère, frères et sœurs, et nous croyons au message du retour à la parole, nous croyons au message de la réforme des églises, des cœurs, de nos fonctionnements. Et c'est pour cela, mes amis, nous voulons, en distribuant gratuitement ce livre, mes amis, qui est quand même très bien fait, hein, donc c'est un travail de qualité que le Seigneur a fait. Donc, nous avons voulu montrer au monde entier que nous voulons vivre ce que nous prêchons et nous voulons prêcher ce que nous vivons et que c'est possible de servir Dieu, hein, de vivre par la foi, de servir le Seigneur tout en étant vrai, tout en étant intègre, et c'est possible. Amen. Voyez, et c'est ça qui nous motive. Et que c'est aussi possible, mes amis, de faire avancer le royaume de Dieu sans la dîme. Parce que ceux qui ont pris la dîme pendant des années n'ont même pas fait ce travail, n'est-ce pas? Donc et je crois qu'au travers de ces œuvres, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, montrer aux frères et sœurs, oui, si vous aimez la vérité, oui, si vous voulez revenir à la parole de Dieu, Dieu vous soutiendra, Dieu vous assistera. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de raison pour ne pas qu'il le fasse. Donc, et on va encore de nouveau, hein, donc vous montrer, donc... si on peut vraiment prendre la caméra avec nous, une caméra qui est là, dédiée, pour que vous voyez davantage, hein, ce travail. Et c'est gratuit, et c'est possible de le faire. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais personnellement encourager tous les défenseurs de la saine doctrine, toutes les femmes, les hommes qui proclament la vérité, qui prêchent la vérité, qui sont debout pour défendre l'évangile dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de confusion, dans ce temps où il y a des charlatans qui vont ici et là pour crier, pour demander de l'argent, dans ce temps où, mes amis, les vrais prophètes, les vrais prédicateurs sont traités de gourous, de sorciers, dans ce temps où la masturbation est encouragée, dans ce temps où, mes amis, des marchands du temple pullulent dans nos églises, des marchands des miracles, dans ce temps où, mes amis, il y a la famine spirituelle, et nous voulons dire aux enfants de Dieu, dire aux frères et sœurs, peu importe leur service, peu importe leurs assemblées, peu importe leur origine, nous voulons, mes amis, que vous soyez tous encouragés pour défendre la sainte doctrine, parce que il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui le servent et qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Dieu Mammon, devant le Dieu de l'argent, la richesse, et qui veulent offrir gratuitement l'évangile comme notre maître nous l'a recommandé, nous l'a ordonné carrément, je dirais, n'est-ce pas, c'est pas une recommandation, c'est un ordre. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, disait Yeshua. Donc, nous avons voulu, mes amis, vraiment vous encourager, et au travers de toutes ces œuvres, donc, et que c'est possible, c'est possible. Donc, alors, Laurent, c'est possible de carrément mettre la caméra par-dessus. Tout est possible, merci mon frère. Et voilà, donc, on va bien montrer le travail ce soir que le Seigneur a fait faire. Et voilà, ce travail de qualité à la gloire de Yeshua. Donc, un problème de lumière. Il y a un souci avec la lumière, on va s'organiser. On veut vraiment vous faire bénéficier de tout ce... vous qui êtes au loin, parce que vous êtes aussi nombreux à ne pas pouvoir venir le 19. Hein, donc on veut vraiment... que vous découvriez ce travail. Et au nom de Yeshua. Voilà. Et gloire à Dieu. Voilà, donc... c'est possible de zoomer un peu? C'est possible? Gloire à Dieu. Merci Laurent. Voilà, Apocalypse 19, 10. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Et le témoignage de Jésus-Christ, hein, et l'esprit de la prophétie.
et nous avons bien mis en bas « interdite à la vente » pour ne pas que ceux qui vont la recevoir aillent la vendre, pour ne pas non plus la retrouver sur des sites de vente. Amen. Donc, vous voyez, le travail de qualité, frères et sœurs, voyez, la couverture, c'est un travail de qualité. Nous avons voulu, mes amis, vraiment que Dieu soit honoré. Amen. Voilà. Et ensuite, là c'est le derrière. Regardez, là, la gravure, là. Laurent, c'est gravé, hein, carrément. Et voilà. Voilà, on va régler un peu parce que c'est flou. Et vous inquiétez pas, on va faire le réglage. Donc là, en dessous, là, vous avez Apocalypse, chapitre 10, verset... chapitre 19, verset 10. Voilà. Et... la mise au point. Ensuite, voilà. Et là, c'est plus clair. Là, c'est net. Là. C'est nickel. Première page, comme on vous l'a montré la dernière fois. Donc, les deux cartes. Alors, c'est des cartes. Ces cartes ont été, bien sûr, réalisées par Yann. Hein, donc, Yann et d'autres images que nous vous montrerons ont été réalisées par notre frère Johnny. Hein, Johnny, que nous saluons et que nous remercions aussi. Voilà. Alors, Ludo, tu pourras tenir un peu la merci. Voilà. Donc, vous voyez, les deux cartes, là. Donc, les cartes, là, c'est notre frère Yann, hein, Yann Tanguy, qui les a travaillées. Donc, tout a été fait maison. Hein. Donc voilà, donc c'est travailler. Voilà, donc c'est des cartes. On a signé également Bible de Jésus-Christ en bas ici. Voilà, Laurent. Donc là, on a signé Bible de Jésus-Christ ici, vous verrez. Donc ensuite, donc là, c'est la carte de... Enfin, vous verrez quand vous l'aurez. Ensuite, nous avons... Le grand prêtre, alors justement par rapport à la révision, pendant que les frères et sœurs découvrent les images. Donc, on a enlevé le terme souverain sacrificateur par rapport à Aaron. Hein, donc, on a remplacé ce mot-là, comme l'hébreu le dit également, grand. Donc, c'est grand prêtre. Hein, et parce que aucun homme n'est souverain. Dire que Aaron était souverain sacrificateur, ah ben non, mes amis. Dieu seul est souverain. Amen. D'accord? Tout puissant. Donc c'est grand prêtre. Donc vous allez retrouver partout grand prêtre. Donc voilà, à la place de souverain sacrificateur. Amen. Amen. Voilà. Donc là, ben, c'est notre frère Johnny qui a réalisé ces deux images-là. Donc du temple et du grand prêtre avec, mes amis, le pectoral et sa signification. Hein, donc voilà, ce travail de qualité signé Bible de Jésus-Christ. Voyez, frère. Voilà. Ensuite, nous avons toujours le travail de Johnny, notre frère. Donc le temple de Salomon extérieur. Voilà. Tout ça avec une légende. Ensuite, vous avez le bassin, d'accord, les bassins, et vous avez l'autel. Voilà comment l'autel était, mes amis. Donc, voilà, signé aussi toujours, hein, Bible de Jésus-Christ. Voilà, donc là, c'est le travail de Johnny, notre frère. Donc, pour vous montrer que le travail était fait maison. Hein, donc, et là, vous avez la chronologie des rois et des prophètes, comme on vous l'a montré. Ça, c'est le travail de Yann. Hein, donc Yann Tanguy. Donc un petit coucou en tout cas à Johnny et Yann pour votre travail en tout cas. En tout cas, l'équipe est une équipe solide. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Donc là, vous avez la chronologie des rois et des prophètes. Hein, donc voilà. Et ensuite, donc ça c'est le travail de Yann. Et pareil, vous avez ici un lion qui est là. Ce lion est fait à partir des noms, des divers noms de Yeshua. D'accord? Alors, je ne sais pas si on peut zoomer sur quelques noms, là. C'est pas évident. Hein? Notre justice, ça se voit, hein? Oui. Bon, regardez vous-même, frère, les différents noms de Jésus-Christ.
Voilà. Voilà, Yahweh, notre justice, Dieu puissant, la porte, la vie éternelle, pain de vie, omniprésent, voilà, fils unique de Dieu, avec des versets bibliques, avec des références, fils de Dieu, du Très-Haut, et parole, Emmanuel, premier prêtre de notre profession, l'apôtre est le premier prêtre de notre profession, le consommateur de notre foi, souverain pasteur, voilà, fidèle et véritable. Et vous voyez, donc c'est avec ces noms-là, avec les différents noms de Jésus-Christ, que Yann a su, n'est-ce pas, a pu sortir ben voilà, le lion de la tribu de Judas. Voilà, donc c'est pour cela qu'on l'appelle la Bible de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Donc le Seigneur m'avait mis à cœur justement qu'il y ait tous les différents noms de Jésus-Christ. Et Yann a été inspiré par le Seigneur par la suite pour donner cette belle, mes amis, image là. Et alors ensuite, vous avez la BJC. Elle est pas mal aussi cette page là. Le logo, la BJC, première édition. 2014, avec parallèle, notes explicatives, commentaires, dictionnaires, tableaux explicatifs, cartes, atlas biblique, strictement interdite à la vente. Donc ça c'est le mien, donc c'est pour ça que j'ai mis. Voilà, donc vous ne prêtez pas attention. Voilà. Ça ne serait pas signé. Ça ne serait pas signé, non. Non, ça c'est juste pour que ce, au cas où je le perdrais, là, je la perdrais. Voilà. Donc ensuite, la sœur qui a posé la question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport aux maisons d'édition, tout ça. Voilà, donc le logo. Donc édition ANJC Productions, hein, Évry, France. Et vous avez l'adresse du site de la Bible de Jésus. Voilà, donc du site de la Bible de Jésus-Christ. Ce site n'est pas encore en ligne, hein, donc il est en construction. Il est en construction et il sera en ligne le 19. Donc vendredi, pas demain, mais l'autre vendredi. Donc voilà, et là vous pouvez aller dessus pour télécharger le PDF. Donc la Bible de Jésus-Christ sous format PDF ou encore le format électronique pour ceux qui ne pourront pas venir le 19. Donc voilà. Et ensuite, après ce passage, nous avons bien sûr l'introduction. Pourquoi cette Bible révisée, hein, pourquoi cette révision, donc on explique bien sûr. Et là on a mis une petite note là, mes amis, là, pour montrer qu'elle ne doit pas être vendue, hein, donc cette Bible, voilà. Donc elle ne doit pas être vendue, elle doit être diffusée gratuitement. Et voilà, donc ensuite nous avons le tableau des abréviations. Et voilà, vous avez vu ici, il y a la Torah. Donc c'est plus comme dans les autres Bibles, hein, où on met Ancien Testament. Donc ça a sauté. Donc c'est la Torah. Ensuite, vous avez les Nevi'im ou les prophètes. Voilà, tout ça, c'est les Nevi'im. Nevi'im, les prophètes. Ensuite, les Ketuvim ici, ou les écrits. Et vous avez parmi les Ketuvim, les psaumes, proverbes, Job, Cantique de Cantique, tout ça. Voilà. Et vous avez ici les quatre évangiles. N'est-ce pas? Ce n'est pas le Nouveau Testament. Hein? Donc les quatre évangiles. Et ensuite le Testament de Jésus. Voilà. Et la première épître, ce n'est plus Romain, c'est Jacques. La deuxième, c'est Galate. Un Thessalonicien. Deux Thessaloniciens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, regardez où se trouve Romain. Alléluia. Romain, Éphésiens, tout ça. Voilà. Et ensuite, Jude, dans vos Bibles, Jude se trouve avant Apocalypse. Alors que dans l'ordre, n'est-ce pas, des livres écrits, hein, donc chronologiques, donc vous avez Jude, Hébreu, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Et vous avez les abréviations. Ensuite, vous avez le sommaire, voilà, le dernier livre du Tanakh, ou de, c'est dans vos Bibles, c'est Malachi. En fait, dans la Bible juive, le dernier livre, c'est Deux Chroniques, ensuite c'est Matthieu, voilà. Et là, vous avez bien sûr l'introduction de Genèse, d'accord. Donc, tous les livres, hein, donc dans tous les livres, hein, donc vous avez
une introduction comme ça, les intros. Et puis vous avez les écrits. Et là, vous avez les commentaires. Voilà, tout ça sont les commentaires. Et voilà, mes amis, Dieu travaille. Dieu nous aide à faire avancer son œuvre. Voilà. Comment c'est bien fait. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la statue de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Là, c'est le travail de notre frère Johnny que nous saluons. Hein. Un travail de qualité. Voilà. Signé aussi Bible de Jésus-Christ. Travail fait maison. Voilà. Et nous avons ici à côté une autre carte. Donc là, c'est le travail de Yann. Merci encore. Et une autre carte. Deux autres cartes. Hein, donc toujours le travail de Yann. Signé toujours la Bible de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez toujours un autre travail de Yann. La chronologie autour de Jésus-Christ. Là. Et là, le frère, notre frère Johnny. Hein, un travail magnifique aussi. Hein, donc les deux, hein, Yann et Johnny, vraiment. Et vous nous avez impressionnés par votre... par vos talents, que Dieu vous garde en tout cas. Et vous avez la bête d'Apocalypse 13. Voilà. Et là, vous avez le travail de Johnny, si je me trompe. Voilà, l'armure du combattant, Éphésiens 6. Voilà. Et là, vous avez le travail de Yann, bien sûr, le tableau, n'est-ce pas, de l'alphabet hébraïque. Vous avez le tableau des fêtes de Yahweh, ici. Vous avez le tableau de mesure, n'est-ce pas, de poids. Et ici, travail de Yann toujours, là, tout ça. Vous avez le tableau de mesure de longueur. Travail de Yann. Monnaie sous l'ancienne alliance. Voilà, tout ça. Et là, vous avez quelque chose de très, très intéressant aussi. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est, David? Comment? Dis-nous. Alors, c'est magnifique. Hein? Alors, vous avez, donc là, ça, c'est vraiment un apport historique. Très très capital, très important. Amen. Donc alors vous avez ici en fait l'origine de la majorité de doctrines que l'on trouve dans nos assemblées, l'origine de toutes ces doctrines et qui sont ceux et celles qui sont à la base de ces choses, de ces doctrines. Et par exemple l'école du dimanche, on explique ça a commencé quand. Voilà. Et le dogme de l'Immaculée Conception mariale, on explique, ça a commencé quand, tout ça, mes amis, et qu'est-ce que la Bible dit. Vous avez le dogme de l'habit du dimanche, pourquoi des chrétiens s'habillent toujours en costume et cravate, ou certains, hein, et proprement le dimanche, on explique. Vous avez la doctrine du purgatoire, on explique. Vous avez la bénédiction nuptiale, pourquoi des pasteurs bénissent les mariages aujourd'hui, on explique, ça a commencé quand. La double prédestination, on explique. Amen. Ah. Voilà. Vous avez la doctrine de la Toussaint, ça a commencé quand. L'Assomption, ça a commencé quand. Le baptême des enfants, ça a commencé quand. Le célibat des prêtres, ça a commencé quand. La dîme dans l'histoire de l'Église, ça a commencé quand. Marie, Mère de Dieu, ça a commencé quand. Et la messe, ça a commencé quand. L'utilisation des icônes et de chapelets, ça a commencé quand. La papauté, quand est-ce que ça a commencé. Les indulgences, le fait de payer pour avoir, même si tu meurs dans le péché, hein, si tu payes, t'es pardonné, même si tu es mort, tu es soi-disant pardonné. Donc tu peux retrouver la vie éternelle, te sortir du purgatoire pour aller au ciel, c'est faux. Ça a commencé quand. La Pâque catholique, ça a commencé quand. La construction des bâtiments pour l'Église, hein, ça a commencé quand. Et à quelle date on a commencé, à quel moment on a commencé à construire des bâtiments pour les églises. L'ordination ou donation sacerdotale, ça a commencé quand. Le fait d'ordonner des pasteurs ou des prêtres avec des soutanes. Le jour du Seigneur, dimanche, ça a commencé quand. La couverture spirituelle, doctrine selon laquelle chaque chrétien devrait prier pour avoir un berger, une sorte de guide dont le rôle serait de le conseiller, de l'orienter et surtout de le protéger contre Satan. Donc ça a commencé quand. Les quatre grandes écoles théologiques, la théologie, quand est-ce que ça a commencé, hein? Donc, il y a la doctrine du sermon, le sermon ou l'homélie, ça a commencé quand. L'évêque
ou le pasteur comme chef de l'église locale, ça a commencé quand? Le terme laïque, ça a commencé quand? Le terme clergé, ça a commencé quand? Le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, l'homme qui se devient médiateur entre toi et Dieu ou ton, le pasteur, ça a commencé quand? La doctrine de la Trinité, ça a commencé quand? La prière adressée aux saints, ça a commencé quand? Tout ça, il y a donc il y a l'origine des choses. Les vêtements cléricaux, ça a commencé quand? Le cléricalisme, c'est-à-dire le corps pastoral ou des prêtres, ça a commencé quand? Et ensuite, nous avons d'autres tableaux, les dénominations au travers des siècles. Donc là, c'est aussi un apport historique important pour montrer aux frères et sœurs toutes ces dénominations, la plupart des dénominations que nous connaissons, à quel moment ça a commencé. Le méthodisme, le mormonisme, ou église des saints du dernier jour, église adventiste du septième jour, témoin de Jéhovah, pentecôtisme, église kimbanguiste, assemblée de Dieu, et le catholicisme, tout ça, église orientale, église nestorienne, église monophysite, église orthodoxe, le protestantisme, église luthérienne, le calvinisme ou église réformée, l'anabaptisme, le mennonisme, l'anglicanisme, le baptisme, ça a commencé quand? Ensuite, nous avons les différentes traductions de la Bible. Donc nous avons mis la plupart des traductions donc, que nous connaissons, que nous avons aujourd'hui, et celles qui sont les Bibles qui sont traduites à partir des textes majoritaires ou byzantins ou encore textes reçus, et les Bibles traduites à partir des textes minoritaires. Voilà. Et tout ça s'est expliqué. Voilà. Ensuite, nous avons ici les informations utiles sur la Bible dans l'histoire. Donc là, on explique un peu l'appellation Bible. Ça a commencé quand? Le mot Bible. Qui est le premier à utiliser ce terme-là? La ponctuation, ça a commencé quand? L'ajout des chapitres dans la Bible. Ça commence, qui l'a fait? Ça a commencé à quel moment? L'ajout des versets également, ça a commencé quand? Et ensuite, nous avons le dictionnaire biblique. Et voilà, dictionnaire biblique, c'est là, tout ça, le dictionnaire biblique. Ensuite, vous avez les écrits. Voilà, frères et sœurs, en gros, la BJC est un travail, un grand travail, qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup coûté. Donc, et honnêtement, mes amis, on sent encore des douleurs physiques, j'entends par là, et même la fatigue, liée à ce travail, à ce grand travail. Donc voilà, frères et sœurs, donc que Dieu soit béni en tout cas. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On avait eu un témoignage. Un témoignage, ouais, d'accord. Peut-être le montrer. D'accord. D'une personne qui nous a envoyé un mail tout à l'heure, il me semble. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer suite à l'émission en fait de lundi. D'accord. Lundi, quand tu as, je crois que c'est, il me semble, c'était lundi, lorsqu'il y a eu des partages autour justement de la BJC, enfin de la Bible. Et donc là, je pense qu'on va nous mettre donc une sœur qui partageait justement ces passages bibliques qui ont été révisés. Qui les partageait de mémoire à sa fille. Et maintenant, on va voir, je pense, le mail. Le mail. Et en attendant, je fais une petite annonce, le temps qu'il le trouve. Enfin, une annonce du moins. En 2015, par rapport au site que tu as cité tout à l'heure, donc Bible de Jésus, en 2015, il y aura de disponibles, donc la, enfin, c'est en cours, ça c'est en train de se faire, il y aura la Bible audio. D'accord. Donc cette Bible-là, mais en audio. Waouh, amen. Voilà. Et également, on répond aussi aux attentes des demandes qui sont faites par mail. Et également, donc suite effectivement à un autre mail qu'on a reçu aujourd'hui, un découpage en PDF des évangiles, des quatre évangiles, que plusieurs parties disponibles aussi pour télécharger. Donc, voilà. À Dieu. Et donc on va avoir donc ce petit mail qu'on a reçu tout à l'heure. Alors. Bonjour à toute l'équipe de TV de Vie, j'aimerais vraiment vous encourager, soyez bénis pour ce merveilleux travail que vous faites pour Yoshua. La BJC c'est tellement waouh. Hier je parlais de la BJC et des versets partagés lors de l'émission à ma fille dans la cuisine, l'onction est venue sur moi, j'ai commencé à parler en langue. Chaque fois que je parle de cette Bible, le Seigneur se manifeste et j'entends le Seigneur me dire « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cette Bible va vraiment libérer le peuple de Dieu, des choses vont se passer dans la vie des gens. Je ne peux plus lire la Bible que j'ai, j'attends la BJC. Donc Londres, enfin Canada, je crois. Canada. Avenue London, ouais, Canada. Gloire à Dieu. Il y a vraiment beaucoup de mails
de personnes qui attendent effectivement cette Bible. Il y a eu beaucoup de réactions suite aux dernières émissions qui ont pu être faites. Et on est impatients, voilà, on a salivé depuis lundi, on a soif, on attend, vraiment, on attend. Gloire à Jésus en tout cas. Oui, Laurent veut s'exprimer, Laurent. Une question. La question qui se passe. Ah, tu peux venir parler, il n'y a pas de souci, tu peux venir parler, il n'y a pas de problème. Voilà, donc... En ce moment, le téléphone sonne. Le téléphone sonne beaucoup. Il sonne. Et il y a la question qui vient toutes les 3 minutes. D'accord. Quand il dit toutes les 3 minutes, le téléphone sonne tellement qu'à moi... Quelle question récurrente, hein. La question est la suivante. Ceux qui ne seront pas là le 19, comment feront-ils pour avoir les Bibles? Est-ce que tu peux les répondre là? Alors, je laisse à David le soin de le faire, parce que c'est eux qui sont chargés de tout ça. Hein. Alors, c'est très simple. En fait, actuellement, effectivement, il n'y a pas qu'un site qui est mis en place, mais il y en aura un autre. Un deuxième site pour justement les commandes. Donc, dès que ce site sera en ligne, chaque personne qui ne pourra pas venir le 19 aura la possibilité de se connecter et de commander une Bible pour la recevoir. Donc, on expédiera... Commander, c'est pas payer. Hein, donc non, faut bien commander, oui. Commander... gratuitement dans ce cas, effectivement, et qu'on expédiera aussitôt, voilà, tout à fait. Il y a une chère qui a appelé avant-hier, mais dit, je crois hier ou avant-hier, mais dit, frère, est-ce que c'est possible qu'il puisse commander 17 Bibles? Alors en fait, pour être juste avec tout le monde, comme il y a beaucoup de demandes, on s'est dit plutôt une par personne, et ceux qui la désirent en tout cas. Parce qu'elle va être dans les maisons des retraites pour distribuer aux personnes âgées. Après, par la suite, c'est sûr, le PDF sera disponible, donc tout le monde pourra déjà le télécharger, l'imprimer chez lui s'il veut, même si, voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, une par personne pour être juste, surtout pour être juste. Est-ce qu'il y aura aussi sur ces sites, ces deux sites qui sont en construction, qui seront bien sûr le premier qui sera disponible pour le 19, dès le 19, est-ce que les frères et sœurs pourront... télécharger à la fois le PDF, donc le texte, et aussi les accessoires qu'il y a autour de cette Bible, c'est-à-dire les images, les tableaux, tout ça. Est-ce que vous avez prévu aussi cela? Est-ce que vous l'avez prévu? Effectivement, donc effectivement, il y aura le PDF disponible et puis l'ensemble, hein, de toute façon. D'accord. Je pense que, comme on a dit, on reçoit gratuitement, donc on va diffuser. D'accord. Ça nous appartient. Parce que les images seront, les images, par exemple, les cartes, tout ça. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Est-ce que vous avez prévu de mettre le texte à part? Voilà, et les images aussi à part. Je pense que c'est dans la construction du site. D'accord. Effectivement, comme tu le soulèves. Et il y aura. Voilà, je reçois un message de Yann qui me dit oui aussi. Donc il y aura effectivement cette séparation-là pour avoir des images de bonne qualité, un téléchargement de bonne qualité. S'il faut zipper, donc c'est un moyen après de décompresser l'image, donc il n'y aura pas de souci, sera mis en place. En tout cas, pour que ce soit vraiment disponible pour tout le monde et dans les meilleures qualités, les meilleures conditions pour tous. Ok. Ouais. En tout cas, je voudrais, frères et sœurs, dire merci au Seigneur. Et aussi, je ne cesse de le dire, parce qu'il faut que le monde entier sache que quand Dieu donne une telle vision, un homme seul ne peut pas la concrétiser, c'est impossible, n'est-ce pas? Donc le corps doit fonctionner, et c'est le corps, c'est les frères et sœurs, c'est toute une équipe qui s'est mise autour de ce travail et pour lire, relire, voir par rapport à la ponctuation, par rapport à l'orthographe, tout ça, et je voudrais vraiment dire merci à tous ces frères et sœurs, on ne pourra pas tous les citer, donc que le Seigneur soit béni, qu'il se souvienne de vous. Je pense à mon frère Simon, Mélène, je pense à beaucoup de personnes qui ont travaillé, qui est Johnny voilà Nirina qui s'est beaucoup donné aussi, Mike, Ludovic, les documents, les Guylaine, Adèle, vraiment tout le monde, hein, tout le monde a mis la main à la pâte. Ludovic, en tout cas c'était une bonne équipe soudée. Nathalie, hein, donc Mvula, donc la femme de mon frère Laurent. Gisèle, tout ça, Gisèle, c'était toute Sarah, une... Jennifer, qui a beaucoup travaillé aussi, hein, donc Jennifer Martin, si je me voilà. Tout à fait. Et Sarah, tout ça, et toute une équipe, mes amis, dynamique autour de ce travail.
et Samuel, il y en a plein, donc on ne pourra pas tous les citer. Beaucoup, ouais. Voilà, Brice, Bondolo, tout ça. Donc il y a vraiment toute une dynamique. Mes amis, les frères et sœurs ont vraiment pris à cœur le travail et ont travaillé, ont bossé. Et ma femme également, que je salue en même temps pour toute cette, cette mobilisation, tout ça, là, Sandrine Logier, Nicolas, tout Herman. Ça, Herman, tout, donc c'est tout, et je salue aussi mon grand frère biologique. Tout à fait. Mon grand frère biologique. Et mon frère et pasteur André, que je salue beaucoup, donc qui s'est beaucoup donné, parce que c'est magnifique de voir aussi ta propre famille, et toute ma famille aussi, je tiens à biologique, à dire merci à tous mes frères et sœurs qui se sont mobilisés dans la prière et qui m'ont soutenu. Ma sœur Louise d'Allemagne, notamment mon frère Patience, l'évangéliste, mon beau-frère d'Allemagne, qui aussi a beaucoup contribué à ce travail. Donc vous voyez, c'est toute une équipe, mes amis, autour de ce projet, toute une équipe qui a été mobilisée. Donc vraiment, et ce n'est que le début de tout ce travail que le Seigneur nous donne à faire. Et je voudrais en même temps dire merci aussi aux frères et sœurs et, du monde entier et, qui nous soutiennent dans tous nos combats, qui ne nous ont pas oubliés, qui prient pour nous, qui nous encouragent par des mails. Et croyez-moi, frères et sœurs, nous vous avons, nous vous remercions beaucoup pour vos encouragements. Et malgré nos combats, malgré les épreuves, vous êtes là pour nous encourager, nous soutenir. Et voyez, frères et sœurs, grâce à vos prières, voilà le travail, les fruits. Donc, c'est ce fruit-là, il y a tout ce travail que vous voyez, toutes ces guérisons, il y a plusieurs fruits grâce, n'est-ce pas, à vos prières. Et le Père Céleste nous soutient, nous aide à porter tous ces fruits. Et donc, c'est des fruits que nous portons dans la souffrance, dans les pleurs, lutte au dehors, crainte au dedans. Et, croyez-moi, nous ne voulons pas nous distraire et nous laisser distraire. Nous savons ce que nous voulons voir. Nous avons deux motivations principales, n'est-ce pas? Nous voulons voir notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de lumière, le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, notre Maître. Nous voulons voir notre Dieu élevé, glorifié, magnifié. Et la deuxième chose qui nous motive, c'est de voir les enfants de Dieu, voir les hommes et les femmes, mes amis, libérés, délivrés du péché, de l'ignorance, des gourous, des faux prophètes, des faux pasteurs, voir des inconvertis, mes amis, découvrir la vérité. En fait, c'est les deux commandements qui nous sont proposés. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc ces deux choses-là, voilà, ces deux commandements, voilà ce qui nous anime. De proclamer haut et fort le retour de Yeshua. Et je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter pour nous, à prier pour nous, mais croyez-nous, nous ne voulons pas nous laisser distraire. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous allons et nous sommes déterminés à annoncer le message du retour à la parole. Jusqu'au bout, quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, nous ne ferons pas marche arrière. Mes amis, au nom de Yeshua. Et tous les défenseurs de la sainte doctrine, comme je le disais tantôt, tout à l'heure, hommes et femmes, soyons tous debout pour défendre la vérité. Yeshua revient. Le maître revient. Le message n'est pas, nous ne sommes pas là pour dire aux gens, quittez vos églises, venez chez nous. Nous n'avons pas, nous avons un seul chez nous, c'est le royaume de notre Père Céleste. Donc, on quitte le monde, la religion pour aller vers Dieu, et non pour aller encore dans d'autres assemblées ou d'autres dénominations. Voilà notre message, frères et sœurs. Et, ce travail, c'est le début d'une longue histoire. C'est le commencement, c'est pas c'est pas la fin. Au contraire, c'est le commencement d'une belle aventure, parce qu'il y aura d'autres révisions. Et grâce à vos prières, grâce à vos dons, nous allons pouvoir imprimer d'autres exemplaires pour des hommes et des femmes qui ne pourront pas venir le 19. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement au 19. Il y a d'autres enfants de Dieu dans le monde entier qui ont besoin de cette parole. Et notre vision, c'est aussi de voir, c'est d'inonder toute la francophonie avec cette parole. Avant que le Seigneur ne revienne, nous voulons que cette parole soit, mes amis, diffusée dans tous les pays francophones prioritairement. Bien sûr, elle sera traduite, cette Bible, dans d'autres langues, mais nous voulons d'abord, comme elle est sortie en français, elle est traduite en français, elle est révisée en français, que tous les pays francophones, la France est un grand pays, mes amis, la cinquième puissance mondiale,
C'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Et ce pays, que la France, a colonisé beaucoup de pays, et nous croyons, ma prière encore ce soir, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne les moyens matériels, humains, financiers, pour que cette parole, mes amis, entre dans toutes les maisons des personnes parlant le français. Amen. Que cette version électronique, cette application que nous allons également mettre en place, soit téléchargée par toutes les personnes qui parlent en français, qui parlent le français. Et je crois que ma prière, c'est vraiment ça. Si Dieu doit m'enlever, je demande vraiment au Seigneur de me permettre de voir ce travail-là. Amen. Et je crois que Dieu, que notre Seigneur, le fera. Et je crois même que nous ne mourrons pas et nous allons le voir véritablement lors de l'enlèvement de l'Église. Parce que je crois que nous partirons lors de l'enlèvement. Amen. Voilà ma prière. Voilà mon souhait, mon désir. Et je crois que c'est aussi le vôtre. Frères, donc ensemble, main dans la main, allons de l'avant. Fermons les oreilles au dire des hommes. Et focalisons-nous sur, mes amis, Yeshua, notre maître. Les chiens aboient, la caravane passe. Mes amis, c'est ça le... Voilà, c'est ça le mot de triomphe, de victoire. C'est ça le cri de victoire. Mes amis, on avance, mes amis, ensemble pour la gloire de Yeshua. Amen. David, Amen. Laurent, Amen. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout? Au bout. Si la mort nous prend, mais on va jusqu'au bout. Après, les apôtres n'ont pas pris leur vie comme si elle était trop importante. Mm-hmm. L'évangile était la priorité. Voir Christ élevé est la priorité. Amen. Maman se surpasse, on dort une heure de temps, on dit Seigneur, mais dans ces une heure de temps, il faut qu'au moins une âme soit sauvée. Et les pasteurs, des prédicateurs qui veulent aussi cette version de la Bible, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas contre les pasteurs. Non. Nous sommes contre Babylone. Nous sommes contre le diable, contre les démons, contre le péché. Et contre, mes amis, le système religieux qui fait, ou des faux pasteurs qui dépouillent le peuple. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui honorent Dieu, Amen. Qui aiment Amen. Dieu. Amen. Et si vous voulez avoir cette version, elle est gratuite. Amen. Donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails et vous aurez votre version, parce que Amen. Si vous accédez à cette parole, vous allez pouvoir aussi aider les autres, Amen. Donc les frères et sœurs qui sont avec vous. Donc il n'y a pas de souci pour cela, au nom de Yeshua. Et voilà, que Dieu soit béni, mes amis, et que son nom soit glorifié. Amen. Les chiens aboient, la caravane passe, et nous passons, nous montons la montagne, on ne va pas regarder derrière, frère. Derrière, là, ça reste derrière. Et on va vers l'avant. Amen. Il y a un peuple à sauver. Amen. Et des hommes et des femmes à éclairer. Amen. Et je voudrais vraiment, vraiment dire merci à Dieu. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour tous ces hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes. Merci pour toutes ces personnes. Merci pour tous ces hommes qui ont pris position pour la vérité. Toutes ces femmes qui sont debout comme mes amis, comme Seigneur, comme dans la Bible, comme Tabitha. Comme Marie de Magdala, qui se sont levées pour, Seigneur, défendre la vérité, pour annoncer la vérité. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Garde ton peuple et nous bénissons ton nom pour le soutien que nous avons de la part des frères et sœurs. Par la prière, les conseils, au nom de Yeshua. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Alors, on ne dira pas samedi, parce que samedi, il n'y a plus de programme de réveil. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, et on va tourner, selon que Dieu nous conduira. Amen. Il n'y a pas de problème. Le 4, nous sommes à Lyon. Mm-hmm. Le 11 janvier, donc, nous sommes à Nantes. Nantes. Voilà. Nantes. Donc, le 11 janvier, nous sommes à Nantes. Et il y en a qui ne veulent pas nous voir à Nantes, mais nous irons à Nantes parce que Nantes n'appartient pas à un homme. Mm-hmm. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui sont là-bas qui aiment la vérité, on tout ira. En Hollande, tu avais dit à la Suisse. Et il y a aussi dimanche prochain, c'était la Suisse logiquement, mais on sait pas, on n'a pas mis les choses en place. Le 17 janvier, nous sommes, le 17 et le 18, nous sommes en Irlande, à Dublin. Mm-hmm. Pour ceux qui sont en Irlande, à Dublin notamment. Voilà, donc le 17 et le 18 janvier, nous serons chez vous. Voilà, donc, ensuite, on sait pas comment Dieu va nous conduire, mais en tout cas, on va tourner au nom de Yeshua. Et on pense aussi aux Antilles,
aux Antilles. Donc on viendra, si Dieu permet, avec quelques exemplaires de la BJC aux Antilles et en Afrique également. Donc nous allons nous organiser. Que Dieu soit béni. Donc je crois qu'on a fini. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc c'est parfait. Alors mes amis, à bientôt. Au revoir.